sommes toujours sur le stand, sur le champ de foire de la paroisse Marie-Oscillatrice, avec les stands, avec les promoteurs, avec ceux-là qui ont tout ce qu'ils ont de beau, de meilleur, d'agréable à promouvoir. Et nous allons recevoir ce soir, sur ce plateau de votre chaîne de télévision, un monsieur qui se retrouve impliqué dans l'organisation de cette rencontre d'échange commercial. Lui, il répond au nom de M. Moussa, Avancé et Dox, que nous allons recevoir. Il va dire bonsoir à nos chers amis téléspectateurs. Bonsoir, monsieur. Dites-moi, quel est votre rôle dans cette organisation? Voilà, vous avez travaillé ensemble, certes, mais vous avez aussi votre partition que vous avez jouée. Dites-moi, et dans cette chaîne d'organisation, quel a été votre rôle? Organisateur et communicateur, il est, et puis dites-nous, quelle a été votre mission pour organiser un événement pareil? Et il y a quand même eu des petits couacs, il y a eu des petits soucis. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées dans cette organisation? Oui, le fait de vraiment, vous me faites sourire là, parce que là, vous avez déjà tout dit. Il faut avouer que plus même, n'est parfait. C'est vrai que c'est la première édition. Nous avons travaillé main, dans la communauté, dans la maison. Ça n'a pas été facile. C'est vrai, nous avons vu, il y a beaucoup de choses à faire pour les trois. Mais dites-nous, lorsqu'on a une vision, lorsqu'on décide de la mettre en œuvre, de la concrétiser, et on s'attend à des objectifs bien précis, dites-nous, est-ce que les fruits ont tenu la promesse des fleurs? Comment les gens?
Vous n'avez pas touché cette cible-là et ne me dites pas quand même que avec tous ces stands qui sont animés, que vous n'avez pas eu quand même le maximum ou le minimum que vous aurez souhaité. Et on dit souvent qu'il y a une vision, il y a des hommes qui l'accompagnent, il y a certains qui ont quand même eu. Vous avez eu certainement à souhaiter avoir un certain nombre de participants. Dites-nous combien de stands avez-vous prévu et combien de personnes ont répondu à la fin. Justement, la chaîne de télévision Restauration Afrique TV accompagne la promotion de l'excellence. Nous sommes une chaîne de télévision qui fait la valorisation de tout ce qui a comme compétence, des richesses africaines. Et nous sommes sur ce site du champ de foi de la paroisse Marie-Auxiliatrice, chers amis téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Actuellement en direct depuis nos petits bouts de télévision à la maison. Nous sommes toujours là et l'ambiance, comme vous pouvez l'entendre en arrière-plan, ça cartonne, ça badonne, ça badine vraiment. Et puis, on va dire merci aux initiateurs, aux organisateurs qui ont pensé la chose. Coup d'essai, coup de maître, on pourrait le dire ainsi. Le début de toute chose est souvent difficile. On reçoit donc monsieur. Pour ça, avancez, donc, autant pour moi. Merci. Qu'est-ce qu'on a oublié de dire? On a oublié de dire. Plein d'émotions et de couleurs avec Restauration Afrique Télévision, la voix de l'exode. Restez toujours au parfum de ce qui se fait de bien et de beau en Afrique, au Bénin et partout dans le monde d'ailleurs. Merci de nous suivre, merci de rester fidèle, merci à vous de ce tout ça. Avancez et donc pour nous avoir rendu possible cet entretien. Bien de choses à vous et plein succès pour la suite de tout ce que vous allez entreprendre à la suite. Nous sommes là, nous allons vous accompagner. Restauration Afrique Télévision est là pour accompagner sur de bonnes choses. Merci chers amis téléspectateurs, bien de choses à vous. Restez toujours avec sur la chaîne de télévision à la suite des autres programmes. Nous allons pouvoir vous dire ce qui a changé, ce qui a évolué au cours de cette fois. Nous sommes donc à la troisième journée. L'aventure a commencé le 29 avril passé. Nous sommes aujourd'hui au 1er mai et nous allons suivre jusqu'à demain 2 mai. Et l'aventure s'arrêtera demain certainement pour le cours de cette première édition 2022. Merci de nous avoir suivis. Toujours votre, je suis votre serviteur et je suis là pour vous. Merci.